Merci. Comme vous le savez, le président de la République vient de faire son premier déplacement géographique depuis l'année 2016 sur Bamako. Le déplacement, c'est dans le cadre du sommet Afrique-France. J'insiste là-dessus, le sommet Afrique-France, parce que avant, il y a beaucoup de personnes qui pensent encore au sommet France-Afrique. Cette fois-ci, c'est le sommet Afrique-France. Il y a une nuance, parce que le sommet France-Afrique, comme vous le savez, était animé par les réseaux. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là, c'est beaucoup plus long. Mais ce sommet Afrique-France intéresse les relations, la coopération entre l'Afrique et la France. Il s'agit de quoi? Il s'agit de développer l'Afrique. C'est-à-dire que le développement de l'Afrique, c'est maintenant. Le développement de l'Afrique, c'est pas demain. Il s'agit de renforcer les relations de coopération entre notre continent et la France dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant. Et vous le savez très bien, chers militants et sympathisants, que le président Assemblée coopère avec tous les États sérieux du monde dans l'intérêt de notre peuple. C'est pourquoi il fait souvent le déplacement pour nous aider à nous sortir de là où nous sommes. Tous les pays qui peuvent nous aider à nous passer de l'aide, le président a accordé leur tend toujours la main. Pour qu'à la longue, nous puissions compter désormais sur nous-mêmes. Comme disait le président, l'ancien président, le premier président, pardon, guinéen, que compter sur soi est le premier trait de la conscience du développement. Donc, le professeur Alpha Condé est en train de nous amener sur ce chemin-là. Les résolutions ne sont pas encore tombées. Dans les 48 heures, nous aurons toutes les résolutions de ce sommet. Et à la prochaine rencontre, nous nous permettrons de vous faire largement des commentaires